Le professeur Marcel Liaou fut en son temps une figure emblématique du combat pour la justice, le droit et la transmission du savoir. Il n'y a ni justice, ni droit sans vérité. Le devoir de mémoire est avant tout un devoir de vérité. Dans cette affaire, le professeur Marcel Liaou mérite que justice lui soit rendue. Un intrus parmi nous. Mopaya akota na lipota wabiso. Pour tous ceux qui ne l'ont pas connu, Marcel Liaou était l'un des patriotes qui ont combattu la dictature au Zaïre. Sur le plan familial, Marcel était l'aîné d'une famille de 8 enfants, dont je fais partie, et je m'appelle Bernadette. Marcel Liaou, azalaka mwana ya liboso, ya libota ya bana mwambi, ya tata moko pe mama moko. Ngai nazali moko ya baleki na ye pe kombo na ngai Bernadette. Mon défunt père, le professeur Marcel Liaou, a épousé le 26 décembre 1964 à Kinshasa ma regrettée mère, le professeur Sophie Kanza. Je suis donc l'aînée d'une fratrie de 6 filles et je m'appelle Elisabeth Mansa Liaou Kanza. Je m'appelle Anne Liaou Kanza. Je suis chirurgien spécialisé en réanimation. De son vivant, notre père, le professeur Marcel Liaou Eboa, Libanala Molingo, avait obtenu un jugement contre M. Pichu Kalokola, qui était le fils de sa concubine avec un autre homme. Le jugement obtenu par notre père de son vivant doit être exécuté. Kalokola renie ses origines pour se cacher derrière les nôtres. Le test d'ADN exigé par Marcel Liaou en août 1998, 8 mois avant sa mort, doit être fait. Je m'appelle Irène Liaou Kanza. J'ai été choquée d'apprendre qu'un certain Pichu Kalokola se fait passer pour le fils de mon père. J'insiste à présent sur l'urgence du test d'ADN. Je crois en la justice. Je m'appelle Susie Liaou Kanza. Mes sœurs et moi-même avons été menacées, censurées par tous ceux qui ne veulent pas que la vérité soit connu. Déjà de son vivant, mon père avait introduit une action en justice contre Jean-Pierre Kalokola. Le jugement RC 1396, daté du 21 juillet 1998, avait donné raison à mon père en confirmant l'usurpation de Jean-Pierre Kalokola. Que Jean-Pierre Kalokola fasse un test ADN afin de révéler à la nation sa véritable identité et afin que justice soit rendue. Je m'appelle Zola Sophie Liaou Kanza. Jean-Pierre Kalokola n'est pas mon frère. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils biologique de mon père, le professeur Marcel Liaou. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils adoptif de mon père, le professeur Marcel Liaou. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le neveu de mon père, le professeur Marcel Liaou. Nous avons été dénigrés, vilipendés, diabolisés et même menacés de mort. Tout comme mon père, le professeur Marcel Liaou l'avait fait de son vivant, et au nom de mon père, j'exhorte Jean-Pierre Kalokola à se soumettre enfin au test ADN. Dans les règles les plus strictes, de la science moléculaire. De son vivant, mon père, le professeur Marcel Liaou, avait entamé des démarches juridiques pour prouver que Jean-Pierre Kalokola n'était pas son fils. Jean-Pierre Kalokola continue jusqu'à ce jour de se faire passer pour l'enfant de mon défunt père, le professeur Marcel Liaou. Face à la conduite de Jean-Pierre Kalokola, je tiens, en tant qu'aîné de la fratrie Liaou Kanza, à démentir fermement
un quelconque lien de parenté, Jean-Pierre Kalokola devra envisager de se soumettre à des examens d'ADN. J'ai été choquée d'apprendre qu'un certain Pichu Kalokola se fait passer pour le fils de mon père. Mes sœurs et moi-même avons été menacées, censurées par tous ceux qui ne veulent pas que la vérité soit connu. À présent, vous l'avez compris, Jean-Pierre Kalokola n'est pas un membre de la famille Liaou. Et qu'il laisse la famille Liaou en paix. L'ADN agira pour l'intérêt général qui est toujours celui de la vérité. Nous sommes face à une situation triste. Mopaya akota na libota wabiso. Un intrus parmi nous. Mon frère décédé depuis 1999 n'est plus en mesure de continuer à contester quoi que ce soit. Dans cette affaire qui avait déjà commencé de son vivant et qui divise notre famille aujourd'hui, il y a un témoin irréfutable, l'ADN. Seuls les tests ADN faits dans les règles de l'art mettront tout le monde d'accord. Ainsi le débat sera clos une fois pour toutes. Likambo oyo ekaboli libota na biso lelo ebandaka kala tango ye moko azalaka na bomoi. Pe lokola azali lisusu na kati na biso te, esengeli te tokundola pe tozongela maloba na ye pe makanisi na ye tango azalaki na bomoi. Azalaka koloba, esengeli ba test ADN esalema na bosembo po ekata pe sukisa likambo oyo mbala moko. Te bakeba, bato na mboka na biso bakeba na bakosi. Sans aucune preuve, mais uniquement le fait de l'appeler comme ça, ça travaille émotionnellement dans la plus grande partie de notre opinion publique. On ne vérifie rien. Alors c'est comme cela qu'il faut dénoncer publiquement. Nombreux sont ceux qui ont émis leur avis sur cette affaire. À présent, écoutons le professeur Marcel Liaou, tel qu'il s'était exprimé à ce sujet en 1998. Jean-Pierre Kalokola, moi Liaou et Boua Libana Lamoulengo, j'ai introduit un recours en tierce opposition demandant qu'il soit procédé à une analyse comparative de par l'ADN, et je le répète, ADN, c'est les signes qui résument l'expression acide désoxyribonucléique, qui est un constituant essentiel des chromosomes du noyau cellulaire, et en anglais parle DNA, prononcé DNA. DNA. L'ADN dira le dernier mot et justice sera ainsi faite. Un test ADN, ADN, un test ADN. L'ADN. ADN. Le mensonge s'empresse toujours. La vérité, elle, poursuit son chemin, pas à pas. Ngonga ya bosolo ekoki.